Nouvelle boutique aujourd'hui comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter pour dire quel est votre nouveau skin ou nos préférés. Normalement ce soir on a peut-être un nouveau skin, peut-être, on va voir si mes informations étaient pas mauvaises. Et je pense que c'est le skin que beaucoup de gens attendaient, donc on va voir. 3, 2, 1. Est-ce que ce soir il y a un nouveau skin ou pas? Ok, pour l'instant, on arrive là, ok. Du coup, toujours disponible, bien sûr, le petit pack Major. Et tout ça dans l'ensemble. Moi, personnellement, j'ai jamais joué à Halo, donc je n'ai pas la hype pareil que ceux qui ont déjà joué. Mais moi, j'ai acheté juste la danse parce que j'aimais bien. Donc, toujours disponible. On a également tout ce qui est sorti récemment à Noël. Donc la petite danse chorale, le skin polaire, Krampus, etc. Toujours disponible la famille, du coup, Crash, la Zed et René Nagragé. Et toujours disponible tout ce monde-là en bas. Juste là, on est bon, on monte en haut. On a le retour du coup du petit skin. On peut dire que c'est une sorte de serpent. Oh, un petit peu. Il s'appelle Escalaxi. Du coup, je sais pas trop si beaucoup de skins. Genre, aime bien, mais moi, je l'avais acheté la première fois qu'il était sorti. Parce que j'aime bien. Déjà, il est original et il est genre. C'est un serpent quoi, c'est trop stylé. Et j'aime bien ce skin, moi, personnellement. Ça reste que moi-même. Hein. Je sais que tout le monde peut pas forcément aimer tous les skins. Hein. Chacun a des goûts différents. On a également la pioche. Qui n'est pas sa pioche à lui par contre. Ok, on a une pioche à 500 V-Bucks. La tangente. En vrai, la pioche, j'aime bien. Mais pas avec le skin qui est là, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on a également le pro de la jungle. 800 V-Bucks. Danse libératrice qui sort encore une fois en boutique. Elle sort plutôt en boutique, c'est cette tante là, c'est moi. C'est moi, les gars. Ensuite, nous avons le retour de la danse clou du spectacle pour 500 V-Bucks. Et ensuite, on a la petite danse détendue pour 200 V-Bucks. Du coup, normalement, on est bon ce côté-là. Oh, on a la famille par des pistes. On a les skins de retour, mais aussi le nouveau skin. Aïe, aïe, aïe. C'est la Renegade version par des pistes. Ce skin là, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont l'acheter. Premièrement parce que c'est une Renegade. Deuxièmement parce que c'est un nouveau skin. Et puis elle est badass. Hein. Moi je l'avais déjà vu à quoi ressembler, mais là c'est encore plus réaliste du coup. L'accessoire de dos de biscuit bouge en jouant, réagit aux illuminations. J'avoue que j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire quand tu fais une illumination. Ah, elle est stylée. Hein. Moi, les gars, le truc actuellement c'est que j'ai vraiment pile poil la somme de mes bucks de ce skin. C'est-à-dire si j'achète ce skin, j'ai plus de V-Bucks. Il m'en restera 40 V-Bucks. Ça va pour vous? Ouais, allez, vas-y, je l'achète parce que ce skin, je l'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de V-Bucks à dépenser. Je n'ai pas acheté de V-Bucks. Depuis la nouvelle saison, je n'ai pas encore acheté de V-Bucks, les gars. C'est des V-Bucks de sauver le monde à chaque fois que j'ai, qui me reste, du coup. Là, j'ai plus de V-Bucks. Donc, j'espère vraiment que demain, il n'y a rien de nouveau parce que je suis dans la merde, sinon. Du coup, c'est validé, c'est carré. Le nouveau assaillant d'épices, elle s'appelle. C'est sûr de Renegade, mais version de Noël. Donc, je sais pas si beaucoup vont aimer. Mais moi, je l'adore. Du coup, on est bon. On a également sa pioche. Malheureusement, j'ai plus de bugs pour l'acheter. La pioche, elle est pas trop mal. Elle ressemble un petit peu à la pioche du Joker, du coup. Mais version pas d'épices. Donc, voilà. Après, voilà. Il n'y a pas trop de différence au niveau design. Mais au niveau visuel, bah, c'est une pioche. On parle d'épices, les gars, en gros. Donc, la maille, du coup, le balai d'épices. En vrai, j'aime bien la pioche. Elle est stylée, hein. Mais j'ai plus de bugs, hein, je peux pas l'acheter. On a également le retour des premiers skins par d'épices. Le gentil maraudeur que je possède d'ailleurs. Que bientôt j'aurai bien sûr en figurine de Pop Fortnite bientôt. Je l'aurai ce skin là en plus pour Noël. Du coup, ça fait plaisir d'avoir son petit retour en boutique. On a bien sûr la skin féminin que j'aime bien aussi. Mais on peut pas tout acheter, hein, les gars. J'avais déjà un garçon, je l'ai pas acheté en fille. Mais du coup, je l'ai. Peut-être un jour j'achèterai elle aussi, on sait jamais. Bon, malheureusement, j'ai plus de bugs pour l'acheter donc. La famille par des pistes, ça aurait été bien si j'avais la famille entière. Du coup, avec le petit sac à dos, je vous rappelle que ces skins-là ont plusieurs customs. Pour ceux qui ne se rappellent pas, voilà, il y a plusieurs customs selon vos préférences, cramés, non cramés, les visages, etc. Et du coup, on est bon. Ensuite, nous avons leur pioche qui est sortie un an plus tard. Avant, ils n'avaient pas de pioche. La emporte-pièce pour 500 V-Bucks. Nous avons également le petit panneur, le masque de pain que je possède aussi dessus.
plutôt original, on est d'accord. Ça donne envie de manger des épices, des bonbons et tout ça qui est dessus, là. Du coup, on a également le retour du skin Valkyrie. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en boutique. Elle aussi, du coup, pour 2000 V-Bucks. Ah, ce skin, ça fait super longtemps qu'on l'avait pas vu, ça fait plaisir. Ensuite, on a également son planeur. À l'époque, c'est vrai que j'ai acheté les planeurs, peu importe s'il était géant ou pas. Il est trop stylé, on est d'accord. C'est l'un des plus beaux planeurs légendaires que Epic Games ont sorti à l'époque. Et j'avoue que même si c'était pas discret comme tu le mets en game, bon, maintenant je joue toujours avec des petits planeurs de top 1, mais c'est vrai que si tu joues dans la mode fin d'empoigne, c'est pas grave ce planeur là, vous voyez ce que je veux dire. Si vous faites de la fin d'empoigne, ce planeur là, c'est pas grave. Si vous faites du mode normal, je vous conseille pas de prendre ce planeur parce qu'on vous entend et vous voit de loin. Donc, mais en vrai, il est stylé. Hein, c'est juste que voilà. Du coup, on est bon pour cette nouvelle boutique. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez ou pas le nouveau skin pain d'épices, du coup, qui est du coup une sorte de Renegade, mais version Noël, on va dire ça comme ça. Et puis moi, bah, sur ce, je vous laisse. Je vais jouer, je vais rusher un peu parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer aujourd'hui, puisque j'étais pas là la matinée et une partie de l'après-midi. Du coup, je vais rusher mon niveau. Mon objectif, c'est d'arriver niveau 60 d'ici ce week-end. J'y approche doucement, mais sûrement, comme on dit. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à la vidéo, comme je vous dis tout à l'heure, et de vous abonner et mettre le petit code créateur qui m'aidera financièrement pour mes projets. Et j'espère vraiment pouvoir le faire rapidement, ces projets, parce que j'attends. C'est-à-dire, ça coûte cher les projets, selon les projets qu'on veut faire. Et j'espère que ça vous plaira, en vrai. Donc, je vous dis à la prochaine. À demain. Bon week-end. Rushez bien. Ciao, bye.